Le lancement du mois de la langue créole à Montréal a été célébré tout en musique et en chansons au cégep Aronsic, sans public, de manière virtuelle. Ce fut un spectacle inclusif où les membres de la communauté noire et des autochtones d'un commun accord célébraient la langue créole. Je veux saluer la présence de la mairesse de l'arrondissement Aronsic-Cartierville, Madame Émilie Thuillier. La pandémie a changé de manière structurelle nos us et coutumes. Dans notre vocabulaire, prend place depuis quelque temps des mots comme masque ou couvre-visage, distanciation physique, pour ne citer que cela. Nonobstant ces faits, il est de bon aloi de s'arrêter en octobre pour célébrer la langue créole à Montréal. Cette année, nous sommes déjà à la 19e édition. Je tiens à saluer le travail de tous ceux qui travaillent d'arrache-pied pour la promotion et la sauvegarde de la culture créole. Nous savons que plusieurs langues ont leur créole. Pour ce qui nous concerne, nous allons considérer le créole qui provient du français et représenté par Haïti, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, l'île de la Réunion, le Cap-Vert, les Seychelles et l'île Maurice, Sainte-Lucie et Dominique. Moi ça, c'est moi langue créole. L'important pour nous célébrer belle langue ça. Le créole s'avère être une langue de résistance, une langue de combat. Il a permis à nos ancêtres de se libérer des chaînes de l'esclavage. Comme le jazz, le créole prône une expression créative et imagée. Elle naît aussi subversive. J'aimerais paraphraser l'ex-gouverneur général du Canada, Mme Michaëlle Jean, qui eut à dire « La langue créole est donc née du lieu et de tous ses métissages. Elle raconte, elle témoigne, elle affirme, elle rappelle, elle persiste. Elle est partagée sur ses continents et entre les peuples qui ont cette histoire en partage. » Aujourd'hui, nous célébrons la créolité. Tout au long de ce mois, en nous plongeant dans la langue créole, en nous découvrir l'autre son créole pour nous participer dans qu'aucune chaîne fait ça. Bon mois du créole à tous et suivons les diverses activités qui se dérouleront en ligne. Merci à M. Bain et à son équipe. Félicitations aux artistes pour ce bel spectacle. Bon mois de la langue créole à Montréal à tous et à toutes. Merci en pile.